regrette ta vérité. Quand je le fais, je regrette. Je viens comité. Je viens là pour dire bonjour. Et je viens dire bonjour parce que aussi j'ai la chance d'avoir côtoyé mon Puma Weula, les autorités, certaines autorités, notamment la ministre de la Réforme qui a organisé le dialogue national qui a été demandé par le président de la transition, Tiefoe Ahou. Donc Tatou Kouabi a organisé ce dialogue national, ce qui a permis à à peu près 600-700 personnes de discuter. Donc Moutanyu Neni, c'était sur le symbole que vous allez voir tout à l'heure sur l'image, c'était le corps de garde, c'est pourquoi ça m'amuse d'être là dans le corps de garde du chef de canton. C'est un symbole fort, je considère que c'est important d'être là reçu dans le corps de garde. Pourtant, tu ne savais même pas qu'on venait. Donc le corps de garde, c'était ce qu'on appelait le dialogue national. Et j'ai eu la chance, la grande chance, que le président de la transition et la ministre de la réforme, une très belle femme et très gentille, m'ont choisi pour être parmi ceux qui coordonnent le dialogue et surtout la communication. La communication à Biébia. Dialogue, oh, Igoline. Arrivez, ça c'est le symbole le plus fort, le plus important de notre pays. Et on va remettre au canton, symboliquement, les deux drapeaux. Voilà. Et comme ça, au moins, le canton va renouveler son mât. Et je sais que demain, lundi, à la montée de couleurs, avec honneur et fidélité, je vous remets les drapeaux que j'ai pu acheter de ma poche pour contribuer à la chefferie et surtout au canton et à l'autorité du canton. Voilà. Merci. Quand l'enfant est déjà né, l'enfant est déjà dehors, on fait asseoir l'enfant. L'enfant rampe. Ce que nous attendons maintenant avec l'enfant, il faudrait que l'enfant se mette debout, qu'il marche, que tout le monde demande service à cet enfant-là. Mais si l'enfant ne marche pas, il n'est pas chose facile que cet enfant-là vous rende service. Donc, c'est ce que attend l'homme gabonais. Je pense qu'avec le président de la transition, tout ira bien et le Gabon va changer. Et ça commence déjà à changer. Avec la route que vous avec avez. Avec la route. Parce que dans les villages, le problème, c'est la route. C'est la communication. Nous avions des produits. Il n'est pas chose facile de faire circuler les produits quand il n'y a pas la route. Mais quand il y a la route, il y a une facilité de faire transporter les produits. Donc, je vous remercie beaucoup de pouvoir penser à nous, les chefs. Mais tout à l'heure, vous avez parlé, vous avez dit tellement de bonnes choses d'un homme, de cet homme-là qui nous emmène déjà de plus en plus la route et qui a une vision pour le Gabon qui est belle. Vous ne pouvez pas rester chez vous, dans vos deux maisons, sans le portrait de cet homme qu'on appelle le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui doit être dans la maison de l'autorité. Quand les gens viennent, l'autorité, l'autorité a un indzindi et l'autorité. Et vous, Nian. Voilà. Miss Kenyan, Gaku, Katia, Komavos, Adouviewa. Si tu n'es pas gabonais, sois au moins africain, je te jure. Moi, je ne panique pas parce que je sais que c'est chez nous le futur. Dino, viens chez moi. Dino, ce n'est pas le fait. Maman, Moulouguidou, Caillou, chez moi c'est beau. Ça fait quoi si on retourne au bled? Ça fait quoi si tu me suis chez moi? Là-bas, on aura tout. On aura tout. Là-bas, on sera bien. Du G1 au G9, tu feras les merveilles. Au G7, tu retrouveras le sommeil. Loin de tracatraca, loin de ratatata. Tes lendemains seront assurés par moi, bébé. Pour moi. On met un nouveau drapeau qui, j'espère, va vous servir. Voilà. Il faut que ce drapeau, ce tableau, ce visage soit affiché dans votre maison. Voilà le deuxième cadeau que j'ai apporté personnellement. Moi, j'ai demandé aux autorités, j'ai dit, moi je vais faire le tour de tous les chefs là, en plus c'est mes parents, c'est ma famille là. Donc ben là, des drapeaux, de nouveaux drapeaux, au moins l'autorité a quelque chose de nouveau. Enfin, donc, au nom de fidélité à la nation, voilà. Gaouvé, la Tiefo, Kubanganga, voilà, avec respect et avec tout ça. Voilà, voilà, donc, ça... Kuba, ma meilleure, Kuba, nous sommes.
suis très content de mon fils qui m'a apporté cette effigie du nouveau président. Vraiment, je suis très, très, très content. Vraiment, à la longue, si ça pourrait se passer ainsi. Dans tout ça, il y a le dialogue national. La seule chose qui nous unit et nous réunit, c'est ce que tu mets là, Yaz, devant ta maison. Ton drapeau. Donc, je suis venu de Libreville. Drapeau, tu nous n'as pas autorité. Avec tous mes respects et avec toutes les civilités. Honneur et fidélité à la patrie. Voilà, chef du village Mokab. Le village est certainement le village le plus important de ce département. Ngabe Bukta point. Yazé, mais toujours dit Mbou. Bah. Ah ouais, où? Attends, tu crois bien. Ouais, Moula, Windindi, je sais que Louane Nigolinounou. Attends, tu crois bien. Quand tu es bon, c'est maman, c'est Nous bega. Appelle Mioula. Du Nibon Boucha, Oumoukant. Quand tu vois, c'était quoi? Ils n'ont quoi d'inténi? Ouais, Mouiri. Comment on a fait ça? Non, c'est pas mon coach là-bas. Non, ok. Bon, mon coach, va tiens. Ok, non, tiens. Il y a tout, 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 tiens. Il y a tiens. Ouh! Là, t'as tout, quoi. Donc, couva, indint. On va le voir. Samba! Samba! Chef de village Bokab, chef du village, guerre natale de Freddy Koula, chef de village, chef de regroupement, grand chef. Yazé. En plus, tu m'as sali là-bas, quand tu joues au foot. Quand il est là-bas. Non, mais il va faire faute. Attends, quoi. Il va mal à la gueule. Il va faire faute. Je viendrai un peu plus souvent, même si c'est mon village. Grand maître des lettres et des écrits. Hey.
faire un projet sur la quelque chose que ça va faire en autour de lui. Je vais la journée, je vais t'expliquer. C'est que tout le monde de chacun. Qui répond de votre cœur, ça va vous aider à évoluer, qui n'est pas cette option-là. Qui s'en veut que toi, Bora, je veux parler aux gens comme ça. C'est le destin. C'est pas vous qui m'avez appris ça. Tu vas en parler que tu es. Tu parles, tu souris, je me produis, je dis à toi. Je vois les images. Je ne peux pas dire. Je suis ton fils, tu dois être fier. Au contraire, je sais que l'émotion est très vive. Je sais que tu visualises certaines choses, mais je suis appelé à grandir encore. Si je grandis, vous grandissez. Tonton Leopold tout à l'heure a commencé à me crier dessus, mais je lui ai dit, tonton, il faut comprendre. Chacun construit son chemin. Moi, je construis le mien. Et au moment où je suis pas encore venu te voir depuis. C'est pas une question de politique. Quand je joue, si je décide de faire la politique, je vais te voir pour dire que tonton, je vais faire la politique. Pour l'instant, on n'en est pas là. J'ai disparu un moment parce que je dois me former, parce que je dois me former. Là, j'ai commencé à travailler, ça fait 2 mois seulement. Premier mois quand j'ai commencé à travailler, je suis venu. Je ne suis pas arrêté là parce que je n'avais plus rien. Ce n'est pas une question de quelque chose, mais pour moi, c'est indigne de venir chez toi, te voir dans ta maison. Quand j'étais petit, je venais ici de temps en temps. Mais en tant que non, je ne suis pas venu. On peut souvent se voir là-bas, tu venais à la maison, oui. Ce n'est pas un problème. Si on se voit là-bas, ce n'est pas un souci. Mais si je viens chez toi, soit j'ai une nouvelle à t'apporter, soit je viens te voir et puis j'ai quelque chose. Et je viendrai plus souvent, si Dieu me donne la santé et la force. Et il n'a pas de raison de ne pas me donner la santé et la force. Puisque c'est le génie. Les forces sont là. C'est ça. Et je sais que je serai encore plus fort avec vous. On est autant. On n'est plus reculé. Très bien. Je ne reculerai pas. Ça lève de l'avant. Très bien.